Dieu a envoyé la manne pour nourrir les Israélites dans le désert. Quelle est la signification du mot manne ? A. Une nourriture sèche. B. Une nourriture venue du ciel. C. Un pain au chocolat. D. Une galette de figues. Une nourriture venue du ciel. Anania et sa femme moururent après avoir menti aux apôtres au sujet de leur offrande. Qui était la femme d'Anania ? A. Tabitha. B. Abigail. C. Rachel. D. Sapphira. La réponse est Sapphira. Pharaon changea d'avis et envoya son armée pour capturer les Israélites. Où se rencontrèrent-ils ? A. Au mont de Sinaï. B. Au mont Tabor. C. À la mer Rouge. D. À Bethel. La réponse est à la mer Rouge. Quel est le nom de la montagne sur laquelle l'arche de Noé s'arrêta après le déluge ? A. La montagne d'Arara. B. Le Kilimandjaro. C. La montagne de Sion. D. La montagne de Golgotha. La réponse est à la montagne d'Arara. Selon la Bible, combien de fois David épargna-t-il la vie de Saul ? A. Deux fois. B. Trois fois. C. Sept fois. D. Dix fois. La réponse est deux fois. Quelle est la seule femme dans la Bible dont l'âge est mentionné ? A. Marie. B. Sarah. C. Élisabeth. D. Ruth. La réponse est Sarah. Quel est le nom de la femme qui tua Sisera, le chef de l'armée de Canaan ? A. Déborah. B. Dalila. C. Esther. D. Jaël. La réponse est Jaël.
qui était le plus jeune de tous les 12 apôtres? A. Matthieu. B. Marc. C. Pierre. D. Jean. La réponse est Jean. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament? A. 24. B. 66. C. 27. D. 53. La réponse est 27. Après sa résurrection, combien de temps Jésus resta-t-il sur terre? A. 40 jours. B. 12 ans. C. 2 mois. D. 7 jours. La réponse est 40 jours.